Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où on traitera le sujet de l'alignement bras, avant-bras, corde. La chose la plus importante est que le coude, l'avant-bras, la main et la corde doivent être sur le même axe. Comme le montre la photo, on peut voir que mon alignement n'est pas parfait. Les pastilles colorées correspondent au mauvais pour le rouge et bien pour le vert. Si vous travaillez ce point avec un archer, faites attention. Certaines personnes ne peuvent pas s'aligner et ils ne pourront pas atteindre le point vert et ils ne pourront atteindre donc que le point orange. Le point rouge ne doit jamais être atteint car trop contraignant lors du lâcher, dans tous les cas, n'atteignez jamais le point rouge. Le but de ce point technique, c'est d'aligner arc et bloc arrière pour que la corde suive le chemin le plus droit possible et donc que cela réduise le fait que la corde oscille de gauche à droite au lâcher, assurant donc une superbe régularité. Pour travailler ça, il faudra gérer avec les épaules, le dos ou tout simplement l'amplitude. Il ne doit jamais y avoir de cassure au niveau du poignet par contre. Tout ça doit être aligné. Mais le dos ne doit aussi surtout pas pencher d'un côté, car justement quand on travaille ce point technique, on a tendance à pencher d'un côté. Donc c'est pas un travail super facile, mais si vous n'y arrivez pas dès les premières séances, c'est totalement normal. Il va vous falloir des semaines d'entraînement pour commencer à percevoir l'amélioration. Et donc voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez toujours pas à aimer ou à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!